Bonjour à tous, ravi de vous accueillir au siège de la Fédération Française de Voile ici à Paris pour parler de ce fabuleux record, ce trophée Jules Verne. On va saluer par liaison vidéo Sébastien Duclos qui est avec nous. Bonjour Sébastien. Bonjour à tous. Vous regardez déjà à plus long terme évidemment, puisque là on a de l'avance, hein, Sébastien Duclos, pour l'instant sur le record de Groupama. Est-ce que vous avez déjà regardé les conditions après, une fois qu'on aura passé l'équateur? Je pense que l'équateur, on y sera aux alentours de 6 jours, ce qui est un temps acceptable, qui fait ce qu'on visait à peu près au départ. On aurait aimé moins, mais je pense que 6 jours, c'est tout à fait très bien. Mais bon, pour la suite, je pense que le jeu est ouvert. Le jeu est ouvert. On va dire bonjour à Pascal, on voit les images. Si Pascal nous entend, j'espère qu'il va bien avec tout l'équipage. Si ça bouge un peu, c'est pas grave. Bonjour Pascal. Ouais, ben là, depuis ce matin, il y a vraiment un gros changement de température. En Corse tenue, on était en ciré, et puis là ce matin il fait une chaleur, c'est la folie quoi. On est en train d'avancer le matos dans le bateau pour recentrer les poids, parce que là on a en moyenne 15 nœuds de vent quoi, donc alors que toute la nuit on avait entre 22 et 24 nœuds, mais bon ben voilà, c'était prévu quoi. Voilà, on descend vers le chaud, il y a un peu moins d'air. Je pense qu'on a un peu d'avance, ouais, parce que depuis qu'on est parti, je pense qu'on n'a pas trop traîné en route. Hein. Même si depuis hier, on a un peu navigué avec le vent pile dans notre axe derrière, donc à faire des empannages qui font que ça nous rallonge un peu la route, quoi. On est plutôt omnibulé par ce qui va se passer même dès demain. Donc il faut vraiment croiser les doigts. Il va falloir qu'on ait un peu de réussite parce que ça va être compliqué, je pense. Et c'est pas plus mal que ça démarre comme ça parce que je pense que ça nous a vraiment mis une petite claque derrière la tête d'entrée et au sortir de la première nuit, je pense que dès le lendemain tout le monde était dans le rythme et puis là ça se ressent, la petite vie, les petites habitudes, la petite bouffe, le quart de stand-by, les changements de barre, tout ça a pris son rythme comme il faut et ça se passe vraiment très très bien. Voilà, là, il y a 15 nœuds de vent et on marche à 26 nœuds, donc ça va encore pas mal. Puis dans la soirée, ça va mollir, le vent va continuer à tourner sur notre droite. Là, le vent, il est au nord, il va continuer à prendre plutôt de l'est dedans et on va se retrouver en bâbord à mur sur un bord qui va être très rapprochant direction plein sud, quoi. Il n'y a pas de bobo, personne s'est fait mal. Donc, j'ai un peu le sentiment qu'on est loin d'être cramé, on est plutôt en forme, à mon avis. Voilà, ça a l'air de bien se passer pour l'instant. Il faut appréhender la suite. La route est longue, on le sait. Bon vent à vous, Pascal, et à tout l'équipage qu'on retrouvera, évidemment, tous les jours. Des dédicaces avant de partir. Je voudrais faire un petit bisou à ma petite femme, à ma petite fille, parce que je sais qu'elles auraient loupé en rien la vision de ce matin. Donc, je leur fais un gros bisou.